Voilà. Nous offrons son pardon. Nous demandons son aide et son secours. Qu'Allah fasse de son acte de la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'au membre de sa famille. Mais pour les hommes, ça, le but du mois de Ramadan, comme nous l'avons dit, le chef, il plante dans ton cœur. Cette plante-là, c'est quoi? C'est la grâce de Allah. La plante qui sera plantée dans ton cœur, dans le mois de Ramadan, c'est la grâce de Allah. C'est à toi maintenant de trouver le fort d'arroser cette plante-là, pour que tu arroses le fond de cette plante-là, durant le mois, et que ça restera dans ta tête. Le mois de Ramadan, c'est le mois qui est un promis, un incroyable en profiter des gens. Ce n'est pas le mois de manger et à boire, comme nous on le constate aujourd'hui. Aujourd'hui, le mois de Ramadan qui s'arrive, tout le monde a peur de voir sa dépense. On multiplie nos dépenses par le mois de Ramadan. Bien sûr, quelqu'un, Allah t'a donné les biens, tu peux le faire continuer. Mais le mois de Ramadan, le but de Ramadan, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ne pas à manger, à passer toute la journée à dormir, de toute la nuit à dormir. Le mois de Ramadan est clair. C'est pour gérer la journée et essayer de payer la nuit de Ramadan. Alors, M. Salam a dit, même pas la Ramadan, celui qui va payer la nuit de Ramadan, toutes les nuits de Ramadan, il a un amortisseur avec la foi sincère, on peut aller au même temps que la nuit. Tout le monde peut dire que c'est la mort. Dans le Qiyam, nous exerçons le prière de la mosquée. Surtout, nous exerçons les imams dans nos mosquées. Le mois de la Ramadan, le Tarawih, c'est un sunnah. C'est un sunnah de la